secondes. Ah oui. On dirait la statue de Bouchna au musée de Cire. Ah oui. Ferme les yeux, ferme les yeux. De faire tomber. Ouais. Se bouger donc. Enfin, l'avantage avec ce genre de candidat, c'est qu'il ne perturbe pas la préparation des autres. On n'a pas du tout besoin de lui courir après pour l'amener sur scène. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il s'appelle Johnny Mal et qu'on le retrouve exactement à l'endroit où on l'a posé, espérant qu'il s'animera un peu plus devant le jury. C'est pas gagné.
vous êtes prêts? Ah, Johnny? 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 Johnny, Johnny, se réveiller, là, c'est maintenant. Il est en pause, t'as été comment? Bah, Johnny? Je sais pas. Johnny, mais, oui, on va devoir le transporter sur scène? Bah, peut-être, on... Johnny, Johnny? J'espère que ce soit lourd. Oui, pour le transporter, il va falloir un diable. Ça en fait au moins deux dans la salle. On se parle peut-être pas avant? Apparemment, non. Je préfère. Allons-y. Musique ou je sais pas quoi, là. Musique? Ah, il n'y a pas de musique. Non. C'est parti. Bon, il n'y a peut-être pas de musique, monsieur? Eh ben alors là, ça promet. Je vais aller donner ma démission, je pense que... Allô? Quelqu'un? Allez, Gilbert, essaye de le faire rire! Ça marche pas. Bon. Il est malade! Donc, ça doit être ça, son talent, de ne pas bouger, monsieur. Là, on peut bouger. Ah! Tony! Bon! Bah, Johnny va pouvoir se détendre maintenant. Même pas, il reste dans son personnage jusqu'au bout. Sacrée performance! Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter travaux. Il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son. Le chiffre là, vous fermerez vos yeux. Quand je dirai 2, vous les ouvrirez. Quand je dirai 3, vous les refermerez. Ainsi de suite. Voilà, les 15 secondes sont passées, vous écoutez simplement ma voix, vous êtes concentré sur mes yeux. Dans quelques instants, je vais commencer à compter. Attention, le chiffre 1. Profondément. Sommeil. Vous dormez profondément, rien ne peut vous éveiller. Vous dormez encore profondément. Vous écoutez ma voix, cette musique. Votre tête est lourde. Lourde comme du temps, lourde. Vous dormez profondément. Profondément. Vous êtes parfaitement bien calme, détendu. Vous que je touche, vous dormez profondément. Que je touche, je dormais profondément.
tout ce que je vais vous dire, vous faire, vous plaira. Vous allez vous sentir bien calme et détendu. Vous avez complètement confiance. Vous êtes parfaitement bien calme et détendu. Vous êtes parfaitement bien calme et détendu. Rien ni personne ne peut faire plier cette barre de fer. Maintenant, je vais compter à 3, chiffre 3. Rien ne pourra plus jamais faire plier cette barre de fer, uniquement quand cela sera terminé. 1, 2, 3, maintenant votre corps est une barre de fer. Que rien ne peut faire plier. Absolument. Vous vous levez tout en restant dans cet état hypnotique maintenant. Oui, il va rester couché sur le ventre. Vous restez debout, rien ne vous dérange. Vous êtes dans la musique, vous l'entendez, vous dansez. Voilà. Et vous dansez dans cette discothèque. Vous entendez la musique, ouais. Vous entendez cette musique de plus en plus fort et vous dansez. Vous dansez maintenant. Je vais compter à 3, chiffre 3, vous allez ouvrir les yeux et les offrir à la première personne que vous allez voir. 1, 2, 3. Une personne éveillée, c'est mieux. Merci. Voilà, vous pouvez vous asseoir sur la chaise là et vous rendormir. Rendormez-vous profondément. Vous que je touche, uniquement vous que je touche, vous êtes dans cet état hypnotique. Les autres personnes, eh bien, vous pouvez rester dans la position où vous êtes, c'est génial. J'ai entendu beaucoup, malade. Je vais vous réveiller maintenant, vous ne vous souviendrez plus de rien. Mais dès que vous entendrez le mot soleil, vous ne savez pas pourquoi, vous vous réendormirez automatiquement. Attention, je vais vous réveiller au chiffre 2. 1, 2, vous vous réveillez. Bonjour. 1, 2, 1, 2, bonjour. Soleil. C'est terrible, hein? Soleil. Bien calme et détendu. Au chiffre 3, je vais vous réveiller, mais vous ne pourrez pas vous empêcher de rire. Vous allez être pris d'un éclat de rire que vous ne pourrez pas contrôler. 1, 2, 3. Voilà, maintenant ça se termine. Voilà. C'est terrible ce qu'on peut faire. Hein. Voilà. Vous jouez de cet instrument. Vous le prenez entre vos mains et vous en jouez.
Vous jouez de cet instrument là-bas, c'est du violon, de la guitare, je sais pas ce que c'est. Monsieur, que je touche, dors profondément, vous êtes bien calme et détendu. Voilà. Vous jouez de cet instrument là, la mademoiselle par terre, c'est de la flûte apparemment. Vous êtes dans un orchestre avec d'autres personnes et vous vous éclatez à jouer. Vraiment, vous vous donnez corps et âme. Alors là, je ne sais pas votre mémoire, il n'existe plus. Trois, vous vous appelez Napoléon maintenant. Maintenant, vous vous réveillez complètement, vous ne vous souvenez plus de rien. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom ? Napoléon. Ah, je pensais qu'il n'y en avait qu'un, moi. Et ça fait longtemps que vous vous appelez comme ça ? Je sais pas. C'est votre maman qui vous a appelé comme ça ? Oui. D'accord. Et ça vous plaît comme prénom ? Oui. Oui. C'est vrai que c'est un joli prénom, Napoléon. Hein. Attention, là, il y a des... Je sais pas quoi, qui allez retrouver votre prénom, qui est ? Laurent. Laurent. On applaudit Laurent très fort. Comment ça va ? Ça fait quel effet ? Bizarre. Enfin, bizarre, hein ? Bon, c'est sûr. Vous savez comment on reconnaît un vrai billet ? On le frotte comme ça, sur du velours. Elle a peur. Qu'est-ce qu'on fait après ? Alors on le met comme ça, regardez. Hop là ! Quel est le problème ? C'est bon ça ? Ouais. C'est bien, regarde. Regarde. Olé ! Qu'est-ce que t'en penses ? Donc c'est un vrai billet, il a volé. Je peux vous le rendre en la position pour la demoiselle. Yeah.
Ben je vais vous applaudir quand même. Voilà. Vous m'avez applaudi ? Avec la ouate. Oh là, qu'est-ce qui sort ? Il a plein la bouche. Eh ben, il va le ping-pong ! Encore une ? Non, il y en a combien ? Encore une ? Eh ben, je vais prendre de la petite fois. D'hypnose aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes déjà fait hypnotiser? Alors, GHB, moi, hypnotisé, non. Hypnotisé, non, on a déjà essayé, ouais, c'est vrai. Vous voyez un peu ce que c'est? Oui, c'est... on peut aller chez le médecin pour se faire hypnotiser, pour savoir ce qu'il y a dans notre inconscient. Si par exemple, il y en a qui, par exemple, se sont... c'est très glauque ce que je vais dire, mais se sont fait violer et donc du coup, ils l'ont refoulé. Oh, peut-être que dans l'inconscient, on peut retrouver des choses qu'on a refoulées à l'intérieur. L'hypnose sert aussi à régler certains problèmes. C'est vrai qu'il y en a qui arrêtent de fumer par l'hypnose. Dans l'hypnose, il y a l'arrêt de la cigarette, il y a le stress et tout ça. L'exemple qu'il y a trouvé, c'est quand tu t'es fait violer par exemple. Clairement, l'hypnose peut t'aider. Pour ça, j'ai rigolé avant, parce que je me suis rendu compte que mon exemple était complètement con. Mais vaut mieux arrêter de se faire violer avant d'arrêter de fumer. Hein, mais c'est pas mal quand même, l'hypnose sert à ça, effectivement. On voilà, a vu, entre autres, alors, t'en as la cigarette. Voilà, ça, c'est bon. Mais c'est mon viol que je gère beaucoup mieux en hypnose. Oh là là, ça va beaucoup mieux. En tout cas, pour en parler, pour avoir tous les détails là-dessus, parce que j'avais vraiment très envie qu'on en parle tous ensemble, j'ai fait venir une personne. Qui fait même des spectacles dans la France entière, donc qui nous fait l'honneur d'être là avec nous aujourd'hui. Comment s'appelle-t-il ? Johnny Mal. Ah, Johnny Mal. J'ai entendu parler, Johnny Mal. Et le voilà, Johnny Mal. Bonjour, Johnny Mal. Bravo, Johnny Mal. Bonjour, je vous présente. Quel bel homme. Mickaël, enchanté, Johnny. Edouard et Jenny. Donc, déjà, quand on lui dit bonjour, on se rend. Vous, c'est Marion, c'est ça ? Oui. Marion, nous ? Donc un vrai professionnel de l'hypnose qui est là pour répondre à toutes nos questions. Donc moi, j'avais déjà la première question. Un spectacle, en fait, c'est ça. Vous avez un spectacle. Voilà. Hypnose. Moi, je fais de l'hypnose. Je fais des spectacles d'hypnose dans toute la France. Ouais. D'accord. Okay, hypnose. Magicien aussi. On a vu de la magie. Je suis également magicien et mime automate. D'accord. Et alors l'hypnose, ça vous a pris quand? Un matin en me levant. Ouais. Un matin où je prenais je sais plus quoi avec beaucoup de glaçons. Le glaçon intelligent. Non mais vous savez qu'en fait par rapport au glaçon, il paraît que en fait le gin avec le glaçon c'est très très mauvais pour les artères. Il se trouve que le whisky avec les glaçons c'est très mauvais pour le cœur. Ouais. Et en fait le pastis avec les glaçons c'est très mauvais pour le cerveau. Donc il semblerait que cette saloperie de glaçons soit vraiment très mauvais pour la santé. C'est pour ça qu'il faut utiliser les glaçons LED intelligents. Ça ne refroidit pas, mais ça... D'ailleurs, on va revoir cette vidéo. Glaçons LED. Alors du coup, est-ce que tout le monde peut devenir hypnotiseur ou est-ce qu'il faut avoir quelque chose en soi de base comme, comment on apprend les mécanismes de l'hypnose? C'est un don ésotérique ou c'est quelque chose... C'est un don exotérique. Ouais. Non, en fait, c'est comme tout. Je crois qu'on a tous des capacités à faire quelque chose, entre autres que l'on aime bien faire. Hein, et heureusement qu'on n'est pas tous hypnotiseurs ou présentateurs télé. Hein. Ben mais en fait, je crois que c'est ça à la base. Moi, je sais que j'ai été attiré par l'hypnose à l'âge de 20 ans. Mmh. J'étais vraiment passionné par cette science-là. Moi, j'ai été attiré par les femmes à l'âge de 20 ans. Je suis désolé. Hein. Chacun son truc. Oui, les deux, là, n'empêche pas l'autre. L'hypnose m'a amené aux femmes après. Hein, donc. Voilà, c'est ça, ouais. Je crois qu'il va moins rigoler. Donc... Est-ce que vous vous en servez de l'hypnose pour, on va dire, quand vous êtes devant chez votre banquier ou quand vous êtes devant, quand vous avez des trucs à gérer? Des genre, monsieur, mal, monsieur Mal, vous nous devez quand même 50 euros. Ouais. Vous ne devez plus rien. Non, on vous doit 50 euros. Non, oui, en fait, il faut savoir. Je m'attendais quand même à un truc médical, non? Oui, clairement. Hein. Non, en fait, il faut savoir que nous faisons tous de l'hypnose sans le savoir. Il faut savoir qu'on va enlever le mot hypnose et on va mettre à la place un mot qui a... Persuasion. Qui peut, voilà, persuasion. PNL, ça rejoint la PNL, programmation neurolinguistique, un petit peu. La PNL, oui, c'est-à-dire qu'en fait, la PNL n'est qu'une explication de la façon dont nous fonctionnons. Mmh. Hein, et puis, quand on l'apprend, on peut effectivement apprendre des techniques de manipulation, entre guillemets. Ouais. Manipulation qui n'est pas forcément péjorative, hein, dans le sens, ça peut être utilisé pour la vente, ça peut être utilisé dans le domaine thérapeutique. Moi, j'ai fait
une formation aussi de PNL et d'hypnose ericksonienne, bien après avoir commencé l'hypnose de spectacle d'ailleurs. D'accord. Et donc ce sont des techniques très 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 puissantes, hein, puisque avec une technique de PNL, on peut enlever une phobie en 5 minutes à quelqu'un. Ah, c'est génial ça. Ouais. Mais alors pour le banquier, ça fonctionne ou pas? En fait, oui, je voulais en revenir là. Étant donné que, en fait, on va dire que l'hypnose ou la PNL, c'est l'art aussi du langage, de la communication et de l'influence. Donc on peut utiliser en fait une certaine influence pour arriver à ses fins, ce qui ne veut pas dire qu'on va dire clairement au banquier, au chiffre 3, tu vas me faire un chèque, tu vas m'accorder mon prêt. Surtout le banquier qui fait un chèque, moi je veux le voir ça. Voilà. mais néanmoins, ça peut être utilisé d'une façon plus ou moins... Voilà. Et tout le monde est réceptif? Vous pouvez hypnotiser tout le monde ou il y a des personnes vraiment où ça ne marchera jamais? En fait, l'idée c'est que nous sommes tous plus ou moins hypnotisables. C'est-à-dire que... à la base, on a la capacité à se mettre soi-même en état auto-hypnotique. Ah oui, en fait, on en fait tous les jours. Ouais. Par exemple, on conduit une voiture, on parcourt un certain nombre de kilomètres, et on ne s'en aperçoit pas. Oui. Bon, Johnny, ce que je vous propose, c'est que vous allez pouvoir tenter le coup avec nous tout à l'heure, là, dans quelques minutes. On va faire un essai, oui. Restez. Mais déjà, toutes les informations, on peut les retrouver. Donc, vous avez un site internet. Alors, rappelez-nous l'adresse. C'est simplement johnnymal.net. Voilà, vous avez l'adresse. Johnny Mal, M-A-2-L-E. Autrement, sur le net, vous tapez Johnny Mal. Et on peut trouver toutes les dates de vos spectacles aussi pour pouvoir venir. Sur mon site, j'ai des dates de tournée. Oui, tout à fait. J'utilise l'hypnose pour des gens qui veulent soit arrêter de fumer, soit savoir s'ils ont été violés. Dans votre cas, ou ultraviolés par les rayons X, comme vous l'avez connu. Il a porté plein de contre-X. Soit pour d'autres problématiques, ça peut être des phobies, ça peut être avoir confiance en soi. Et donc pareil, on passe par le site internet. Bien sûr. Ça se fait plusieurs séances. Ça se fait pas vraiment en une. Si. Dans 80% des cas, une séance. Moi, j'ai des très très bons résultats. Ouais. Ben, on va dire que ça va entre une et trois séances. Je voudrais juste qu'on fasse une petite pause parce que j'ai deux petites vidéos à vous montrer. Et après, je vous promets, tout le monde se fera hypnotiser, d'accord? Allez. On finira pas cette émission. D'ailleurs, c'est Johnny qui finira cette émission tout seul. Je vous préviens, au passage. Juste très rapidement, je voudrais montrer deux vidéos. Regardez ce qui se passe quand t'es américaine et que t'as 8 ans, que t'as un caprice, tu veux faire un clip et que t'as juste un producteur avec toi, ça donne ça. Allez. Ça claque. Enfin, peut-être qu'elle a été utilisée pour le faire. Donc ça, c'est au steak, ok? T'as 8 ans, elle est géniale, elle se fait produire. Ok? Maintenant, ça, c'est bon. Regardez maintenant en France. Elle s'est faite produire son clip par un producteur. Voilà, exactement. Ça, c'est quand t'as 8 ans que tu vas faire produire ton clip. Et en France, comment ça marche quand toi, tu aussi, tu veux faire de la musique, mais que tu n'as pas de producteur? Ça marche comme ça pour faire ta musique. Ah là, il y a moins de moyens. Il y a du rythme aussi. Boum boum boum. Mais même moi, je t'entends en gros quand il y a 100 personnes, tu vois. Et l'autre, elle est toute seule dans sa chambre. Elle n'a pas de voix, elle n'a pas de. Mais c'est-à-dire que la première, c'est avec 100 personnes et elle, et la deuxième, c'est 100 personnes. Bon, on y va? On tente le coup ou pas pour finir cette émission? Moi, je vous regarde. Attends, mais à côté. Johnny, est-ce que tu as vu déjà plus ou moins chez quelqu'un des. Comment tu sens s'il y a de la persuasion? Enfin, comment tu sens si le mec, il est réceptif ou pas? À l'odeur. Ah, alors lui, il est très bien. Ça tombe bien, je me suis pas lavé depuis 3 jours. Je crois que Marion aussi, ça tombe très bien. On va mettre ici. Je propose de mettre ici. Mettons-nous ici, on a. Donc si je comprends bien, il n'y a plus personne sur le plateau. Là. Bah non, c'est fini là. Bah là, non, c'est terminé là. Attention. C'est un petit peu notre emplacement ici où on fait un petit peu toutes nos. D'accord, alors ce que je vais vous demander, c'est très très important, c'est de la concentration. Alors on va enlever les oreillettes peut-être. On va peut-être, oui, pour se concentrer. Voilà, donc je vais vous demander de vous concentrer sur moi, d'oublier tout ce qu'il y a autour de vous. Simplement de prendre une respiration profonde, de croiser vos mains comme ça. Voilà. Par contre, voilà, restez sérieux, s'il vous plaît, c'est important. Allez, voilà, parce que j'ai besoin de votre concentration. Vous vous concentrez. Et maintenant, vous fermez vos yeux. Vous fermez vos yeux maintenant. Je vais compter de 1 à 3. Au chiffre 3, non seulement vos doigts vont se serrer. Au chiffre 3, vos doigts vont se toucher. Au chiffre 3, vos doigts vont se souder complètement. Vous êtes en contact avec ma voix. 1. Vos doigts se serrent de plus en plus. 2. Intensément. 3. Ils sont complètement soudés maintenant en ce qui vous concerne. Vous que je touche, vos doigts sont complètement serrés, complètement fermés, complètement soudés. Vous ne pouvez absolument plus les dessouder. Absolument impossible. Vous que je touche uniquement, vos doigts sont complètement soudés, complètement collés. Rien, absolument rien ne peut les dessouder. Vous êtes en contact avec ma voix pendant toute cette expérience, pendant toute cette émission. Tout ce que je vous dirai vous semblera non seulement agréable,
mais deviendra votre réalité. 1, 2, 3, les doigts complètement serrés, complètement collés, sommeil, dormir profondément. Votre corps est de plus en plus lourd et vous sentez à quel point vous avez de plus en plus sommeil. De plus en plus sommeil maintenant. 1, 2, 3, complètement. Rien ne peut plus vous éveiller, absolument rien. Aucun bruit, aucun son, simplement le contact avec ma voix. 1, 2, 3, de plus en plus profondément. Vous êtes parfaitement bien, vos doigts sont complètement serrés et complètement collés. Maintenant, je vais vous demander d'essayer de le décoller, sachant que vous ne le pouvez pas. Vos doigts sont complètement soudés, absolument soudés. Comme s'il y avait de la colle maintenant dans vos doigts. Et vous constatez à quel point vos doigts sont collés. Et plus vous essayez, moins vous ne le pouvez. Vos doigts sont complètement soudés, complètement scellés maintenant. Absolument scellés, absolument soudés. Je vais compter à 3. Au chiffre 3, vous allez vous éveiller. Et vous allez retourner à votre place avec ces doigts complètement collés. 1, 2, 3, maintenant. Vos doigts sont complètement soudés, complètement collés. Je vais vous demander de reprendre votre place. Et vous ne pouvez plus décoller vos doigts. Vos doigts sont complètement scellés, complètement soudés. C'est vrai que non, attends, j'ai réussi à me décoincer quand même là. Voilà, donc vous avez réussi à les décoincer. Ouais, vous, les doigts sont complètement soudés, ça, complètement collés. Ça m'ouvre la main, mais pas les complètement doigts. Collés, complètement soudés, complètement collés, complètement soudés. Voilà, donc Edouard, tu as tes doigts complètement collés, complètement soudés maintenant. Je vais compter à 3, au chiffre 3, tes yeux vont se fermer. 1, 2, 3, sommeil, dormir profondément. Tu dors profondément, rien ne peut plus t'éveiller. Tu es en contact avec ma voix, tu restes dans cette position pendant toute cette expérience. Tu n'en sortiras que quand je te le demanderai. Les autres personnes peuvent décoller leurs doigts maintenant. Rien ne peut plus te déranger, Edouard, tu es en contact avec ma voix. Rien ne peut plus te déranger, tu es parfaitement bien. Cela devient ta réalité, cette expérience entre toi et moi. Tu es parfaitement bien, vous allez bien, vous pouvez parler à côté, il n'y a aucun souci, il vous entend, mais il ne bougera pas. Pendant toute cette expérience, pendant toute cette expérience, il ne bougera pas. Voilà. On peut abuser de lui un peu. Bon, Edouard, tu as gagné 10 millions d'euros au loto. Je ne te l'ai pas dit la semaine dernière parce qu'en fait, j'ai tout voulu garder pour moi. Il vous entend, mais il ne réagira pas parce qu'il ne réagit simplement qu'avec ma voix. Maintenant, cela va devenir ta réalité. Ce qui va se passer, je vais compter à 3. Au chiffre 3, tu vas ouvrir tes yeux. Tu ne pourras toujours pas décoller tes doigts. Mais pendant toute cette expérience, pendant toute cette réalité, ta réalité va devenir tel que tu vas croire qu'il y a ici, eh bien, Jean-Jacques Goldman. Et que je suis Jean-Jacques Goldman et tu vas m'interviewer comme tel. Je vais compter de 1 à 3. Au chiffre 3, tu vas ouvrir tes yeux. Et cela va devenir ta réalité. Attention, 1, 2, 3. Bon, voilà quoi. Comment ça va? C'est quand même énorme. J'ai mal au doigt. Hein. Ouais, toi? Un petit peu mal au doigt. T'as mal au doigt? Bonjour Edouard. Ouais. Bonjour Jean-Jacques. Donc, je suis très heureux de venir dans votre émission. J'ai quand même ça, bienvenue. On va faire. Alors, bon, voilà. On avait des questions, c'était en fait. C'était la surprise de Jenny. On avait des questions à poser, oui, notamment sur le dernier album qui est, où il y a des reprises. Mm-hmm. C'est génial. Vous avez vu, hein? Ah, je vous écoute, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, parce qu'on se disait, je sais pas, la plus grande fan, c'est quand même Jenny. Bah, c'est moi, ouais. Mais non, c'est une surprise pour toi, parce que je voulais t'impressionner. On a un Jean-Jacques quand même. Eh bien, on est très impressionnés. On regarde peut-être un. Non, mais tu vois, parce ça que va tu vois, c'est quand même pas mal parce que j'ai réussi. Toi, tu veux Ophélie Winter depuis je sais pas combien de temps, tu l'amènes pas sur le plateau. Oui, c'est pour ça, j'étais un petit peu. Moi, j'ai réussi en mélangeant Jacques quand même. Donc, voilà, donc la reprise de cet album s'est fait comment? Et vous en avez parlé un petit peu avec les artistes ou pas du tout? Comment ça s'est passé? En fait, c'est venu à ma terme le vent comme ça. L'album m'est venu complètement par rêve. Et donc, j'ai eu envie de l'écrire et je l'ai fait. Quoi. D'accord. Et ces artistes qui reprennent vos chansons, vous le prenez comme un hommage plutôt ou mal parce que vous vous dites que c'est quand même à moi de les chanter et... Oui, les artistes qui chantent mes chansons, bien sûr, je prends ça comme un hommage, tout à fait. Je suis complètement fier de un hommage, de d'autant que vous prenez pas mal en droit d'auteur. Oui, carrément. Ça, je touche. Non, mais c'est vrai, vous êtes l'artiste le mieux payé. Dans attends, français, parce que tu sais, Edouard, c'est juste une émission de divertissement. Là, on n'est pas dans un sujet éthique. En fait, moi, je voudrais demander à Jean-Jacques s'il veut bien chanter avec nous une chanson. Absolument. Comme on n'a pas de guitare, on peut le faire a cappella, non? Qu'est-ce que je te donne. A cappella ou à Paris, peu importe. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Et d'abord, il faut qu'elle trouve la chanson que personne ne connaît de Jean-Jacques Goldman. T'en as juste en panneau, t'en as chanson de Jean-Jacques Goldman. T'as juste. On est navré, on est navré, on est navré de ce qui se passe. On est navré de ce qui se passe, mais voilà. Bon, on n'a plus qu'à vous demander des autographes. Bon, écoutez, c'est impressionnant. Alors, ce qu'on va faire, je vais passer à côté d'Edouard. Edouard, tu me reconnais, tu sais que je suis Johnny. Et maintenant, tu vas fermer tes yeux, 1, 2, 3, sommeil, dormir profondément. Bon, ça se voit, je suis dormir profondément. Calme-toi, parce qu'il va peut-être t'arriver la même chose. Je vais compter de 1 à 3. Tout ce que je vais te dire va devenir ta réalité. Et,
Et dès que je prononcerai le mot Édouard, qui est ton prénom, tu ne pourras pas te retenir. Tu te jetteras dans les bras de Mika. Et tu le serreras très fort et tu ne le lâcheras plus. Ça va devenir ta réalité. Je vais compter à trois. Au chiffre trois, tu vas pouvoir desserrer tes doigts. Tu vas te réveiller, tu ne t'en souviendras plus, mais cela va devenir ta réalité. À chaque fois que je prononcerai ton prénom, tu te jetteras dans les bras de Mika. Attention, je vais te réveiller. Un, deux, trois, maintenant. Comment ça va, Édouard ? Ça va. J'ai l'impression d'avoir un peu dormi, quoi. D'accord. Édouard ? Là, j'ai une réaction, mais... Qu'est-ce qui se passe ? T'as Edouard une réaction ou une érection ? Qu'est-ce qu'il y a, Edouard ? Edouard ? Non, mais déconne pas ! Déconne pas ! Ça fait peur ! Ah là là ! C'est bizarre ! Hein, ça va, mon copain ? Ouais. Hein, mon copain ? Hein ? Bon, hein ? Bon, bah, je crois qu'on va finir cette émission comme ça. Que... On rappelle que Johnny a un site internet, Johnny Mal. Pour un net, c'est bien ça, c'est ça, c'est ah, ça. Voilà. C'est bizarre comme truc, hein. Non, ouais. Mais c'était dans ton monde, en fait. Voilà. On t'expliquera après ce qui s'est passé. Je vais compter au chiffre 3, au chiffre 3. Tu vas revenir ici, 1, 2, 3. Voilà, tu vas revenir. Ce qui va se passer maintenant, c'est que tu ne pourras pas faire autrement. Rien d'autre son ne va sortir de ta bouche que coin-coin. Au chiffre 3, 1, ta gorge se serre de plus en plus. 2, tu ne peux pas sortir autre chose que ce mot-là. 3, dans quelques instants, le mot coin-coin, il ne sortira que ce mot-là. Coin-coin, 3, maintenant, dès qu'on te posera une question. Bonjour Edouard, ça va ? Mon petit canard. Je fais peur. Et ben, Lulu, voilà, je suis content. Il y a un problème. Tu te sens bien ? C'est bizarre, hein. Est-ce qu'il est conscient à ce moment-là de ce qui se passe, en fait ? Normalement, ouais. Oui. Mais Ah, c'est trop chelou, quoi. Voilà. Bon. Alors, ce que je vais faire, je vais arrêter cette expérience. Au chiffre 3, tu vas pouvoir reparler normalement. Même si je te parle, même si je prononce ton prénom, tu ne te jetteras pas dans les bras de Mika à nouveau. Non. Ça se passera très, très bien. Tu vas te souvenir de tout ce qui s'est passé. Tu vas en rire avec nous. 1, 2, 3, maintenant, tu reprends complètement conscience de tout et tu en rigoles avec nous et tu te sens bien. Voilà. Donc, voilà. Tout s'est bien passé. On a été faire un petit tour pour t'expliquer ce que tu es dans la République. Ça va bien, Edouard ? Ouais, ça va. Voilà, tu vas nous expliquer, ça fait quoi ? Ça fait, j'entends tout, je comprends tout, mais c'est bizarre, je suis dans un sommeil en fait. Je suis comme dans un sommeil, quelqu'un te parle et tu t'endors, tu vois ? Voilà. Tu te souviens d'avoir interviewé Jean-Jacques Goldman ? Je me souviens d'une interview et voilà, mais je vois en plus que c'est bizarre parce que je sais que c'est pas Jean-Jacques, mais dans ma tête c'est Jean-Jacques. Enfin, c'est très curieux. Voilà, je savais que j'avais pas Jean-Jacques, mais j'ai compris, j'ai entendu. Et l'indication, elle était bon, donc on en parle. C'est ce qu'on appelle la dissociation, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est de l'hypnose. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas le vrai Jean-Jacques Goldman. Enfin, dans ma tête, c'est pas Jean-Jacques Goldman, quoi. Certes, oui, c'est ça. Donc, t'es bien conscient des choses, mais tu peux pas faire autrement. Là, c'est une orientation, en fait, c'est ce que vous expliquez. Une persuasion de quelque chose, en fait. C'est un peu de la manipulation aussi, du coup. Bah, faut absolument que. Oui, c'est un peu de la manipulation. C'est pour ça, j'ai deux, trois trucs là, faut qu'on voit ensemble juste après cette émission. Moi, j'ai deux, trois personnes un peu influencées sur deux, trois business. Là, attendez, faut arrêter un moment. Mais moi, je suis désolé, gars, mais je suis crevé là. Bon, je crois que c'est le moment. Voilà, je crois que c'est le moment d'arrêter cette émission. En tout cas, on va se donner rendez-vous dès demain dans Pas vu sur net. Assieds-vous. Comment vous appelez ? Hein ? Juliette. Il y a des gens qui connaissent Juliette dans le camping ? Ouais. Plein là-bas dans le fond. D'accord. Voilà, vous vous sentez calme, votre respiration est profonde, votre cœur va calmement. Hein ? Et je ne sais pas si vous avez pu vous en apercevoir, aujourd'hui il y avait un joli soleil. J'ai simplement dit qu'il y avait un joli soleil. Donc dès que vous le rencontrerez demain dans le camping, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonjour Juliette, t'as vu ce beau soleil? Et le pire, c'est que si j'oublie de la déprogrammer, vous m'y faites penser, hein. C'est que ça pourrait marcher. Alors, les autres, on les laisse dormir. Après, ils jouent du pipeau toujours. Ça va ? Oui. C'est quoi ton prénom ? Une question simple, c'est quoi ton prénom en fait ? T'as oublié ? Attends, ça arrive, parce que c'est peut-être l'émotion. Attends, est-ce que tu peux compter sur tes doigts de 1 à 10 ? Oui. Vas-y. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. T'as 11 doigts ? C'est formidable ! C'est une extraterrestre ! Avant que ce soit une terrestre extra. Y'a pas un souci quelque part ? Je t'ai plus compris. Vas-y, recompte. Ça va tourner.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, tu vas à l'école, non? Tu es en quelle classe où t'as fini? Non, je suis en première. Hein. D'accord, cela explique cela. Soleil. Voilà. On est en première. Vraiment, vous me regardez. Et vous éclatez de rire. Vraiment, il y a des scènes hilarantes. Vous ne pouvez pas vous retenir. Vous ne pouvez pas vous retenir tellement les scènes sont hilarantes. Vous regardez ce film comique. Et vraiment, vous riez aux éclats. Vous ne pouvez pas faire autrement que de rire aux éclats. Vous ne pouvez plus vous arrêter. Photo là. Merci beaucoup d'avoir participé. Attends. C'est bon. Absolument. Bien.
uniquement quand je te demande. Reste comme une barre de fer. Reste comme une barre de fer. Rien ne peut faire plier ce corps. Vas-y. Rien ne peut faire plier ce corps. Absolument rien. Ton corps est une barre de fer. Complètement. Viens, reste. Reste comme une barre de fer. Ton corps, reste. Voilà, pose le pied comme ça. Ton corps devient reste comme une barre de fer. Rien ne peut le faire plier. Absolument plus rien. Voilà. Ce corps devient une barre de fer. Ce corps devient rigide. Ce corps devient rigide. Ce corps devient rigide comme une barre de fer. Il monte dessus. Oh bingo. Bravo, tu es champion du monde. Allez. Complètement bien réveillé, ça va? Vous êtes un vraiment grand malade. Il n'y a pas de soucis, tout va bien, tout va bien. Répétez là, vous êtes un champion. Je préfère. Merci en tout cas, le bon Vladimir, d'avoir anticipé. Merci beaucoup. Merci. On applaudit un plus fort que ça, hein. Hein, merci. Je vais compter au chiffre 3, au chiffre 3. Vous allez recevoir un coup de fil important. Vous allez décrocher le téléphone, et le téléphone ça va être votre chaussure droite. Attention, 1, 2, 3, vous recevez un coup de fil, voici votre chaussure droite. Votre téléphone c'est votre chaussure droite. Votre téléphone c'est votre chaussure droite, monsieur. Vous enlevez votre chaussure, c'est votre chaussure droite. Vous enlevez votre chaussure, c'est votre téléphone. Et vous téléphonez, vous téléphonez. Oui, vous téléphonez à cette personne. Oui, vous l'avez en direct. Vous lui parlez. Oui, vous lui parlez. C'est une personne que vous aimez beaucoup, vous lui parlez. Voilà. Oui. Non, ça va. Non, c'est pour Bingo. Non, non, non. Il n'y a pas de soucis. Avec un vin, on en prend en soin. Non, t'inquiète. T'inquiète. Non, non. Bon, ben, tout. Vous rapprochez votre téléphone, c'est terminé. Vous continuez à dormir. Comprends-moi. Où en étais-je? Ah oui, alors j'ai un mot secret. Dès que je prononce ce mot, il y a toute la salle qui s'endort. Je vais compter à 3. Non, c'était pourri. Alors on va faire plus dur. On va faire plus dur maintenant. Entre les jambes. Je vais vous demander de vous mettre comme ça en croix. De tenir un concombre dans chaque main. Alors là, vu qu'il y a un tout petit bout, l'idée c'est de tenir le haut au minimum comme ça. T'as pas peur? T'as pas peur? T'as peur ou quoi? Serre les jambes. C'est quoi la tâche entre tes jambes? Il se pisse dessus en fait. Alors, je vais corser un petit peu la chose. Vous voyez, là j'ai un petit bandeau. Oh là là. Est-ce que vous voyez au travers? Non. Quelqu'un veut essayer? Non. On voit rien. Monsieur, vous voulez essayer? Allez-y. Donc vous doutez. Tout le monde doute, c'est ça. Non. D'accord. Alors j'ai besoin d'ici d'une femme qui va venir me mettre le bandeau sur les yeux. Allez. Au hasard, vous, madame. Allez, vite. Madame à côté. Voilà. Oui, c'est pas grave, vous vous essuyez les mains. Il y a plein d'une moule, c'est pas grave. Alors je vais vous expliquer. Elle pue la moule, fais gaffe. Alors, vous faites un nœud très fort. Je mets le doigt, vous faites une boucle et je retire le doigt, d'accord? On fait comme ça? On est d'accord? Okay. Elle est trop petite en fait. Il est où l'échafaudage? Il y a des gouttes par terre. Hein. Vous serrez fort. Ouais, tu tiens un coup. S'il vous plaît, j'ai besoin de silence. Ouais. J'ai besoin de silence, s'il vous plaît, ça comporte des risques, j'ai besoin de silence, merci. Vous me faites tourner 3 fois sur moi-même. T'as signé ton arrêt de mort. Et vous me donnez mon sabre. Oh.
D'accord, et vous allez surtout vous asseoir. Je vous demande le silence, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, je vais demander du silence, merci. Ça va refroidir après.
mamie. Petit coup de rouge, mamie. Voilà, monsieur, je sortais mec, vous avez un petit coup de rouge, hein. Bah ouais, bah ouais.